Je suis Sylvia Costa et je suis la metteuse en scène de ce spectacle. Je suis Raphaël Pichon, je suis le chef d'orchestre de ce spectacle. L'autre voyage de Schubert à l'Opéra Comique. L'autre voyage, c'est un spectacle assez inédit sur des musiques d'opéra de Franz Schubert, quasi tout totalement oubliées, et qui, réassemblées dans une nouvelle partition qu'on a imaginée avec Sylvia, forme une sorte de voyage mental, un grand parcours, une grande odyssée à travers le deuil, la vie, la mort. Et dans le spécifique, c'est l'histoire d'un médecin légiste qui un jour reçoit son corps, il découvre que c'est son propre corps, donc il est face à sa propre mort. Et le long du spectacle, on découvre que cette mort, c'est une mort apparente, parce que la vraie mort, c'est la mort de son enfant. Donc en fait, ce voyage, c'est une sorte de deuil et d'abandon de cet enfant perdu. Parce qu'on aime Franz Schubert. Bien sûr. Parce que Franz Schubert est peut-être l'un des compositeurs les plus populaires encore aujourd'hui. Sa musique de piano, ses leaders, sa musique de chambre. C'est un compositeur qui touche encore énormément de monde aujourd'hui. Et pourtant, on connaît, il y a un tiers de ce qu'il a écrit, un tiers de sa production musicale qui nous est, dont on est totalement coupé parce qu'elle est inachevée. C'est toute sa partie lyrique. Et on a été vraiment saisis par le nombre de fulgurances, de météores, de moments extraordinaires de musique que ces œuvres contiennent. Et donc, pour leur rendre justice et pour montrer encore leur force aujourd'hui, on a décidé de se lancer dans cet exercice et dans ce voyage assez inédit d'un voyage assez inédit au contact d'une œuvre totalement inédite elle aussi. Je pense qu'on était très attachés au fait que Franz Schubert n'avait pas achevé la plupart de ses œuvres. Et donc cet inachèvement est devenu un sort de leitmotiv. Et on s'était inspiré de ce concept. Et donc c'est là qu'on a commencé à construire toute la dramaturgie. Et on est là parce qu'on aime donner des images, formes et musique à tous ces concepts qui sont partis de l'être humain. Non, venez voir l'autre voyage. Venez voir ce voyage de Schubert. Une musique absolument inédite, unique, et qui démontre encore et encore la puissance et la force de Schubert. Un compositeur d'une immense fragilité, d'une immense parfois naïveté, et qui pourtant a ce don absolument unique de nous parler vraiment au plus profond, même aux parties les plus insoupçonnées de notre âme.
solltest du es selber singen. Wohl weiß ich es, doch fehlt mir noch die Kraft. J'ai trouvé ce spectacle très beau. J'ai été vraiment conquise du début à la fin. J'ai beaucoup aimé évidemment la musique. Il faut dire que j'aime beaucoup Schubert, mais quand même. Et j'ai beaucoup aimé aussi la mise en scène. Je l'ai trouvé vraiment remarquable. Et j'ai beaucoup, beaucoup aimé les voix. Vraiment, le chœur est extraordinaire. Les chanteurs aussi. Et le jeune garçon, très bien aussi. Voilà. Donc c'est vraiment une très belle soirée. Je ne savais pas trop ce que je venais voir. Mais vraiment, je suis très, très, très contente de ma soirée. Et je dois dire aussi, et ça je fais un clin d'œil à la personne qui m'a invitée, c'est elle qui a fait tous les décors, à Giovanna Amoroso et aussi à Joan Zimmerman. Voilà, merci infiniment de m'avoir permis de voir ce spectacle. Oui, tout ce spectacle est surprenant, du début jusqu'à la fin. Au départ, on a une histoire entre adultes, du moins de l'homme et de son destin, ou de son double, et peu à peu on passe avec la même problématique à la jeunesse, et je trouve que les chants sont magnifiques, les chanteurs sont absolument magnifiques, et la mise en scène dépasse ce que j'imaginais, ou du moins je n'imaginais pas véritablement, et c'est à la fois un patchwork où on a de la musique classique, de la mise en scène moderne, le pompon, c'est lorsque les enfants se mettent à chanter qui nous apporte une joie, une dynamique extraordinaire. Donc entre l'orchestre, les chanteurs adultes, les chanteurs enfants et les acteurs, magnifique. Voilà. Conseil pour la jeune génération qui se lance dans ce métier, la générosité, ne pas compter son temps, la persévérance, je n'aurais pas ce que dire, la foi. J'étais en train de dire il faut la foi un peu, ouais, et la curiosité aussi, beaucoup, et y croire en fait, c'est ça, donc ouais. Bien sûr, la curiosité, ça c'est sûr.